Et c'est tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Star Wars, du Lego Star Wars Skywalker Saga sur PC. Du coup, nous sommes maintenant avec Anakin et Padmé pour aller voir la mère d'Anakin. Anakin fait des cauchemars sur sa maman. Touchez pas ma marchandise. Et il veut juste aller rendre visite à sa maman. Annie! Le petit Annie! Tu as drôlement poussé! Un Jedi! Voyez-vous ça? Ma mère, où est-elle? Je l'ai vendue il y a des années à un fermier hydroponique, un certain Lars. Les affaires sont les affaires! Où se trouve leur ferme? Oh, très loin d'ici! Va dans le désert et cherche les vaporisateurs. On a rien à foutre, pas de main à côté. Tu le trouveras là-bas. T'es en train de faire des croquis ou je sais pas quoi. Plutôt me contenter de suivre ça. Sinon, je vais encore me perdre. Ok, donc du coup on va aller à un nouvel endroit, de Tatooine, qui est le désert de Dunland. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Dès que le chargement veut bien. pas très opti les chargements dans ce jeu Lego. Oui, c'est le désert de Tatooine. Comment vous avez deviné? Le sable? J'imagine que c'est ça, non? Ok. On voit direct qu'il y a 2-3 choses à faire ici, hein. Si les autres droïdes veulent rester assis autour de l'atelier de Maître Owen en attendant que le bain d'huile se répare tout seul, c'est leur problème. Moi, je ne me fais pas autant d'illusions. Maintenant, excusez-moi, mais je vais faire un tour dans le désert à la recherche de quelqu'un doué en réparation. Ok. Il est où, c'est trop beau. Quel bazar. Ah. Le sable s'infiltre voilà. Vraiment partout. Coucou. 3PO. Le créateur. Maître Annie, je savais que vous reviendriez. Owen Lars. Ma mère est ici? Non, elle n'est pas là. Shmi est ma femme. Elle était à mi-chemin de la maison lorsqu'ils l'ont prise. Une meute de pillards Tusken. Où est-ce que tu vas? Chercher ma mère. Ce qui t'attend là-bas risque de ne pas te plaire. Je m'en fiche. Je vais chercher ma mère. Alors, est-ce qu'on peut prendre ça? Je pense vraiment oui. Viens, Tropéo. Tu m'accompagnes. Voilà. C'est. Je sens quelque chose. Par là. Ah, mais c'est juste à côté. Ils l'ont fait vraiment à deux pas, quoi. Ah, oui, ils l'ont fait vraiment à côté, quoi. Maman? Ah, Seigneur. Pourquoi n'ai-je pas pu la sauver? Toujours prêt avec légèreté, les Lego. Anakin, mon émetteur a été endommagé. Retransmets ce message à Coruscant. La piste du chasseur de primes Jango Fett m'a mené dans un immense centre de clonage sur Kamino. Puis au fond de droïdes de Geonosis. Le comte Dooku y forme une armée de droïdes. Attendez. Anakin. Reste où tu es. Protège la sénatrice, coûte que coûte. Nous allons nous occuper du comte Dooku. Ils n'arriveront pas à temps pour le sauver.
Je vais secourir Obi-Wan. Si tu veux me protéger, il faudra que tu m'accompagnes. Ok. Padmé, tu as entendu Maître Windu. Il m'a ordonné de rester ici. Il t'a ordonné de me protéger. Maintenant, allons-y. Obi-Wan est en danger. C'est parti pour l'espace Géonosis. La fabrique des droïdes. Youhou! Coloniste Algassin. Oh, il y a des speeders. Enfin, ça s'appelle pas vraiment des speeders. Je sais pas comment ça s'appelle ces trucs. L'existence est à nouveau un sens après. Y'a pas le nom. Y'a pas le nom de la monture. C'est pas grave. Attends. Ah. Ouais, l'objectif est là. Ah ok, parce qu'on peut passer par là. Oula. Oula. Il y a des grands tremblements. On avance. Doucement mais sûrement. J'ai du mal mais on avance. Descendre. Non. Alors désolé c'est trop PO mais c'est pas ça que je voulais faire. Dory. Et boum. On ne va quand même pas descendre. Ah si. À moins que tu ne préfères entrer par la porte principale. Ah. Allez. Ah, y a une brique là. There is a brick. Ah mince, c'était pas ici? Parce que j'ai vu une brique. C'est pas un endroit où j'ai vu un éclat bleuté, moi. Je deviens fou. Est-ce que je deviens fou? Bah. En fait, elle était juste au-dessus de moi et je l'ai pas vu, c'est ça? Ah, c'est carrément ça, je crois. Hein. C'est complètement ça, en fait, hein. Je suis juste bigleux. Je ne tiens pas à déclencher une guerre maintenant. Je peux peut-être trouver une solution diplomatique. Attends. C'est ça ta solution diplomatique ? C'est ce que j'appelle de la négociation musclée. Ces tapis roulants vont certainement nous emmener en lieu sûr. Ok. Voilà. Tu parles d'un plan ? On fait preuve de diplomatie sur ce coup-là. Avec plaisir. Ah, il faut Padmé pour. Bah, ça peut marcher avec le sabre laser aussi, non ? Ah, mais non, mais c'était juste pour le faire tomber en fait, ok. Boom, voilà. Ah bah, bon, ça sert pas à grand chose au final. Parce que bon, il peut voler quoi. Est-ce si utile? Ah,
S'ils savaient que ce soit de votre aide, ils... Pile au bon moment, tous les deux. Vous pouvez démarrer ces générateurs. Parce que... Pourquoi il y a une vidéo? Maintenir Y. Ah! Oh! Double situation. Ok, intéressant. Intéressant, a-t-il trouvé un moyen de traverser l'usine de droïdes? Boom. Construire. Boom. Trop fort. Aïe. Fait mal. Ok. J'ai bien peur que nous ne soyons pas programmés pour utiliser de tels systèmes. Viens, regarde. Si, regarde, hop là. De charger ces programmé pour construire. Born to build. Born to build live. Ok. Bam. Non. Bam, bam, bim, boum, bam. Bim. Et voilà. Très très complexe. Absolument pas. Maître Anakin, vous allez devoir charger le dernier vous-même. Ok. So. Anakin, tu peux transférer la charge force. Les générateurs. Ouais. Je fais quoi? J'en donne un peu ici là. Boum. Et après, hop. Ok. C'était ça. Là on peut se casser. Boum. Et c'est pas mieux. Pouvait-il pas disparaître dans un endroit sûr et tranquille? Oh, toi je t'ai vu là, le mini bloc. Comment on récupère le mini bloc? Comme ça, boum. Ah, pas de mec qui se fait éclater. La pauvre. Cette usine est immense. L'armée de droïdes de Doku doit être gigantesque. Alors. C'est un employé. Hey, je veux parler au responsable. C'est impossible. On ne peut pas le remettre en marche d'ici. R2, t'es encore là? Si, regarde si je passe par ici là. Ah non. Au moins le tuer lui là. Un peu du mal mais. Voilà. Comme ça les droïdes sont saufs. Alors, j'aimerais bien que la que la caméra se tourne pour ne pas avoir à tomber dans le vide. Hop, gauche droite, petite esquive. Des machines qui fabriquent des machines. Quelle perversion. C'est le comble. Des machines qui fabriquent des machines. On va attendre qu'il y en ait une remplie. Les droïdes considérés comme non menaçants seront ignorés par les ennemis à moins que vous n'attaquiez en premier. Oh, ok, intéressant. Servez-vous bien de cet avantage. Ok. On destroy tout. Regarde, on a une force de fou avec notre droïde. Et mademoiselle Padmé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tourelle. Oula. Boum. Ok. Que j'utilise R2 pour ça. Encore une énigme des plus complexes. Je sais pas si je vais y arriver. Évidemment que si. Oh, parce que. Ah oui, d'accord. On est là.
Ok, on a envoyé la pleine puissance. Histoire que ça réouvre les portes, ok. Après c'est pas. C'est pas trop. C'est pas ouf. Si. On a envie ça. Il faut qu'on sorte de cette usine. Ah mais. Eh, j'avais pas vu. Bien évidemment. Non. Bye bye. Fin de la discussion. Bah voilà, t'es monté toute seule, what the fuck en fait. Comment ça t'as besoin de mon aide? No need, no need. Oh wow. Boom. Pour se cacher derrière. En fait tu détruis pour y reconstruire en fait. Intéressant. Intéressant. Attends quoi, j'ai une brique là? J'ai une brique. En quel honneur. Ah oui, parce que j'ai fait la première tranche de pièces. Effectivement, effectivement. Bon, faut que je fasse quoi ici là? Ça fait pas ça, non? De l'autre côté, boum. Non, c'est pas ça. Ok, pas du tout. Oui, une sortie. C'est un truc avec les droïdes là, non? Là je peux rien faire ici. Attends quoi? Insérer. Ah. Ah oui, c'était comme au tout début. On va découper un petit trou là. Hop, hop, hop. Faire un dessin. Ok. Donc là c'est quoi, c'est un mécanisme? On détruit tout. Il n'y a plus rien. Construire. Ok. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est les touches. Ça change rien de les faire directement ou non. Ça va plus vite de les faire directement. Boum. Ah et ça délivre aussi, ça débloque l'accès pour les droïdes en bas. Ok. On va essayer de... Ah par contre ça a réveillé... Je suis sérieux, je veux voir le responsable. Il est en pause c'est ça? Cette usine doit fermer, rien n'est aux normes. Par contre j'ai plus de vie. Ah elle se recharge. C'est dingue, comment j'ai perdu autant de vie? Bizarre un peu. Oh. Oh. Ok. Aïe. Ah oui, il m'a foutu un coup en passant par dessus quoi. Putain, je les ai one shot les autres là. What the fuck. Attends, ça sert à quoi là? Ah, on peut s'accrocher dessus. Oh oh. Attends, je vais m'accrocher. Non. C'est peut-être parce que j'étais en combat que ça a pas fonctionné. Allez, reviens. Ah. Je crois que c'est faux espoir, non? Ah, je sais pas si je peux, hein. Il m'a l'air d'être compromis de sauter là-dessus. Ah. En fait j'ai l'impression que des fois il va s'accrocher et des fois non. Bon bref. On va se casser. Let's go. Boom. R2, 3PO, par ici, venez. Yeah. Boom. Il va pas bouger de là. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Du coup on a actionné. Enfin on peut actionner ça. Mais du coup il nous manque un de l'autre côté. Ouais. Ah bah oui, juste là en fait. Ok. Il y en a un qui va le faire tout seul. Oui.
Trop intelligente, pas de mais. Bien joué ça. Padmé, non. Oh oh. Lâche-moi. Et là, c'est le début des problèmes. Ok. Il va falloir utiliser R2. Ah mais il y a tout le monde qui est réuni au même endroit du coup, bah oui. Bon, déjà. Ah je peux pas. Ah je peux pas utiliser Anakin du tout. Marrant. Marrant, marrant. Faut-il que je me fasse kidnapper par les pillards Tusken pour que l'on... Ah, t'avais pas vu? Il y avait un mini bloc. Au secours. Mini bloc. Reviens mini bloc. Il est là, il est là. Est-ce que je peux le choper avec R2? Vite, je vous en prie. Ah, ah mais faut peut-être le... Oh oui, je sais qu'il n'y a pas de mec qui est pas bien. Mais il y a aussi un mini bloc. Ah mais j'ai aucune... Est-ce que je pourrais avoir un coup de main? Non, attends. Ah ouais, non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Il faudra Anakin. Tu vois quelque chose? Tu peux l'arrêter? Juste attends vite fait, Padmé là. Je suis en train de faire une énigme ultra complexe là. Même pas besoin de déplacer l'autre. Ne bouge plus, Jedi. Emmenez-les. Missa propose que le Sénat donne les pleins pouvoirs d'urgence au chancelier suprême. Mon tout premier acte, forme de nouvelle autorité, sera de créer une grande armée de la République pour contrer la menace grandissante des séparatistes. Je vais me rendre sur Geonosis, aider Obi-Wan avec les Jedi qui restent. Visitez les cloneurs. Sur Kamino, je vais. Initié à l'usine de droïdes déverrouillée. Oula, on a rien fait. On a rien fait du tout. Sur Geonosis. Obi-Wan est peut-être en grand danger. Ok. Allons sur Geonosis. Fisto. Okay. Besoin d'un taxi pour aller quelque part? Ne cherchez pas plus loin. Alors, plateforme. Attends, mais non, mais je peux pas plutôt faire ce que j'aime bien faire d'habitude, c'est-à-dire directement me déplacer à Geonosis, coloniste Algassin. Voilà. Ça ira bien plus vite comme ça. Pouette, pouette, poilette. Il va y avoir tout le combat dans l'arène, il me semble, après. Je dis pas de bêtises. Eh, salut. Ah oui, carrément, il y a carrément des PNJ. Des PNJ de... Éliminez-les. De la race volante, là, je sais pas du tout... Je connais pas du tout leur nom. Fort. Ah ouais, c'est là. Exactement ici. Histoire. On s'attarde pas trop. On a décidé de venir vous sauver. C'est réussi. Ah,
pressentiment. Respire, concentre-toi. Okay. Comment va Padmé? Elle est au sommet de sa forme. Ok. Je vais te sortir de là. Sois patient. Viens par ici. J'ai un petit peu loupé. Bien joué. Dernier saut. Pour une fois. Pour une fois. Ah le bâtard. On commence par lequel, maître? Comme tu veux. Je ne suis pas difficile. Il est en train de me suivre le truc là. Ils sont encore plus gros de près. On va essayer de récupérer un peu ce qu'on peut récupérer. Alors ça par contre pour l'exploser. Lorsque bloqué s'affiche, utilisez un différent combo d'attaque pour percer à 10 la défense ennemie. Ok. Je pense pas avoir quelqu'un comme qui puisse faire ça. Hein. On a rien là, on a pas de sabre laser. Aïe. On va détruire les petits chapiteaux. Hop. Ah, yes. Quatre sur 5. Bon après là, à mon avis, ça sera des trucs de jeu libre, je pense. Malheureusement. Pas cette force. Non mais. Mais non. J'ai absolument tué la bébête là. Calme-toi donc, Padmé, calme-toi donc. Alors qu'est-ce que je peux. Ah oui, mais d'accord. Et moi je peux monter sur la bête moi. Donnez-moi la bête. Donnez-moi la bête. Voilà. Est-ce que je peux pas faire des trucs avec elle? Est-ce que je peux pas destroy des trucs? Non. En vrai. Non. Dommage. Ça, est-ce que je peux? Non. Et la porte là-bas, est-ce que je peux au moins ça? Donnez-moi au moins ça. Même pas. Ça sert à rien. Tu sert à rien, bordel. Nul. Nul, nul, nul. Alors. On va essayer de. Wow. Ok. Il s'affaiblit. Continuons comme ça. Je continue. Avec mon os là. Allez, il est bientôt tombé le Rick. Oh non, il était invincible sur le dernier coup. Ah mais, d'accord. On peut pas le finir. Ah si, ok. Dis donc. J'ai pas la capacité de me défendre par contre. Je crois qu'il ne tiendra plus longtemps. Oh, par contre là, oula, c'est un petit peu à voir, je crois là. Parfait, on va la voir. Ok. Reste concentré. K.O. Il n'en reste plus qu'un. Facile, facile, facile. On est 3 sur lui là. On devrait le faire. Et boum. Quoi? Ok, encore une attaque. Non. Ouais, nice. Maître Windu, c'est gentil de vous joindre à nous. La fête est finie. Courageux, mais imprudent, mon vieil ami. Vous êtes dépassé. Shoot!
armée de droïdes de Dooku. Obi-Wan dit des vrais. La guerre va bientôt éclater. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on peut autour faire de vous, maître. Elle a déjà commencé. Est-ce qu'on peut... Ah ok, on peut monter une grosse bête, c'est cool. Du coup, ah, on va peut-être pouvoir détruire des trucs là, non? Ça peut-être pas, mais ça peut-être pas, mais Jango Fett. Non, mais il y a bien ce qu'on va pouvoir faire là. Le chasseur de primes. Restez sur vos gardes, maître. Ce chasseur de primes est malin et bien préparé. Malin. Il fait face à l'un des meilleurs Jedi qui soit. Ça, on peut pas l'ouvrir avec un Jedi, ça? Il y a quelque chose qui me fonce dessus là. Alors la caméra, please. Attends, mais ça on peut pas l'ouvrir avec un Jedi quoi. Comment ouf. Ça, mais il y a des mines qui me tirent dessus. Du coup, ça veut dire des lances, des missiles. Imaginons que je me place ici. Imaginons, hein. Voilà. Et que j'attends qu'on me tire dessus là. Avec une roquette. La suite devrait être plutôt, plutôt logique, non? S'il daigne me tirer dessus avec une roquette. Ah. Il a tiré dessus, mais... ça a rien fait. Et il y a toujours le symbole en dessous et... c'est bizarre là ce qui se passe. Et si on se met là? Vous essayez hein, de toute façon. Tirez-moi dessus là vite fait. J'ai l'impression qu'il ne va plus me lancer de roquettes. Est-ce que ces roquettes sont buggées là? Ah. Ça a marché. Ok, bon bah j'abandonne. J'abandonne cette idée. Parce que j'ai qui là en perso? Ouais, j'ai tous les Jedi qui existent, mais c'est tous les mêmes quoi. C'est les mêmes et y en a marre. Et genre vraiment, je peux pas avec ça là? Ça m'étonne moi. Je peux pas faire de la force là-dessus là. Et je peux pas le monter. Avec ma Swindow, je pouvais. Alors, est-ce que il y a moyen d'infliger des dégâts à Jango Fett en étant là-dessus? Ah, ok. Oh. Ok. Pas mal son combo. Quelques artifices et un jetpack ne suffiront pas à vaincre un Jedi. Allez lui dire, maître Windu. Merci, maître Mundi. Toujours d'un grand soutien. Allez lui dire. Pas chien de Jedi. Chien ? Ces créatures n'existent pas sur Plion Thelm. Vous vouliez peut-être me traiter ou mourir. Chien de Jedi. Bien, prends ça. Boum. Découpé. Attention. Jedi ont levé une immense armée. Mon maître ne pardonnera pas cette perfidie à la République. Je vais emmener ces plans sur Coruscant. Ils seront plus en sûreté. Si Dooku s'échappe, d'autres systèmes à sa cause, il ralliera.
Regardez là-bas. C'est au coup. Ne laisse pas tes sentiments personnels interférer. Suivez le speeder. Niveau terminé, panique au Petranaki. On n'enchaîne pas avec Je me surprends, on n'enchaîne pas avec le combat contre Doku. Et au même endroit il me semble. On reste aux trousses de Doku, continue l'histoire. On va continuer. Nous devons suivre Doku dans cette forteresse. Ça devrait pas être très long. Elle... On a une mission pour le reste de la VOD. Qu'est-ce que tu penses que ferait Padmé à ta place? Elle ferait son devoir. Ne dispute pas, je suis en train de y aller là. Comment mission. Allons-nous accéder là-haut, maître? Nous devrions pouvoir utiliser quelque chose de cette épave. Viens. Je me fais disputer. Oh. J'ai pas mérité ça, moi. Content okay. De vous voir en vie. Nous étions beaucoup dans cette direction, mais nous avons été frappés de plein fouet. Ça a renversé comme un sac à patates corallienne. Le vaisseau est détruit. Mais si vous voulez récupérer des pièces, servez-vous. Ok. Oh, yes. Un trampoline. Nickel. Hop, on va continuer direct, histoire que ça ne nous fasse pas une VOD trop longue. Comme ça, on aura terminé tout ce qu'on aura à faire sur cette planète. Niveau histoire. Seulement niveau histoire. Nous sommes coincés. Bah super. Doku avec son bonnet de bain là. Doku ne doit surtout pas s'échapper. On verra plus tard comment sortir d'ici. Oui, maître. Oui, maître. Quel chemin devons-nous prendre, maître? Yes, master. Ça n'a pas d'importance. Tant qu'on retrouve Doku avant qu'il ne quitte la planète. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on aille là-haut, c'est ça? Celui-ci. Mais donc, il y en a un. Ah, il y avait le socle ici, mais bon, c'est pas grave. Ça marche aussi. Hop. Ça gâche un peu la vue, ouais, mais c'est pas grave. Ah, quelques ennemis volants. Bon, allez, Obi-Wan, hein, tu vas t'en sortir. Hein, je sais que tu vas y arriver. Mais il y a tout qui s'est détruit. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc à mettre ici là. Ah bah voilà. Le voilà le truc. Ok. Ah, ça se trouve on aurait pu casser la porte comme ça en fait. S'il nous demande, MDR. C'était déjà là quand on est arrivé. D'accord? Tu veux trouver quelque chose qui ne fonctionne pas? Ouais, le jeu libre. Ça par exemple, je sais pas trop ce que c'est. Je
je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à faire. Pas certain. Tac. Alors, on a un truc pour un robot ici. On a accès à personne. Ouais. Ça c'est jeu libre. Quel est notre but? Boom. À part tout détruire. Ouais, c'est pareil, on peut pas. Par contre, ici, il y a quelque chose à faire. Oh, d'accord, pour grimper. Marrant ça. Vous êtes sûr d'être assez souple pour y arriver, maître? Moi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis aussi agile qu'un fêtier. Du coup, c'était la suite ou pas ici, en fait? Je crois pas. Je sais pas. Ah si, en fait, ça a l'air d'être la suite. Ça a complètement l'air d'être la suite. De l'autre côté. Je sens. Moi aussi. Nous devons être prudents. Il est très dangereux. Faire une petite ouverture. Et si je fais un tout petit carré, ça marche ou pas? Ah ouais, ça marche. Trop marrant. Bienvenue, jeune Jedi. J'espère que votre Padawan sait se tenir. On l'affronte à deux. Passe lentement par la gauche. Non. Mon charge. Non, Anakin, non. Mes pouvoirs de Jedi surpassent de loin les vôtres. Soumettez-vous. Il est vrai. Ça, je ne crois pas. Ah si si. Tu verras, mais je suis sûr que si. Il s'enfuit. Je vais laisser mes sbires vous affronter d'abord. Mes sbires. Combattez-vous-même, Goku. Vous êtes déjà à bout de force? Calme-toi, Anakin. Il essaie de nous énerver. Ne tombe pas dans son piège. Ça ne sert à rien de rester ici. Il faut qu'on soit au même niveau. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer quand même pendant que je suis ici ou pas? Ça va être intéressant. Ah, ça, ça nous fait glisser, on peut pas monter? Non, on peut pas, ok. Ok, ça, ça sera pour après. Je pense que ça sera une deuxième phase. Ah, là, il y a un truc à faire. En mode libre. Et la baignoire. La fameuse. Le vaisseau. Quelque chose derrière. Mini bloc. Un mini kit, pardon. Ok. Bon alors. Allons le retrouver.
Après, en vrai, normalement ils peuvent sauter, hein. Ils peuvent sauter, hein, pour atteindre. Hein. Mais bon, c'est pour les besoins du film. Du film, du jeu. No. Vous ne vous mêlerez plus de nos affaires. Où est-il? Combat dans le noir. Je mâche ma manette. Je vous avais pourtant dit que mes pouvoirs surpassaient les vôtres. Tiens. Attends, je veux Anakin, moi. Je vais casser sur la tête. Reviens. Quel tricheur. Pourquoi fuyez-vous donc? Vous avez peur? Kenobi. Il n'y avait donc rien appris des stratégies de combat. Il apprend lentement. C'est sympa ça, Obi-Wan. J'en ai assez d'être sans cesse interrompu. Tout lent. Pourquoi ça sert vraiment que je mâche ma manette comme un dingue? Pas certain en fait. Anakin! Maître Kenobi, vous me décevez. Puissant, tu es devenu Dooku. OMG. Je suis Yodo. Plus fort que tous les Jedi. Vous compris. Beaucoup à apprendre. Tu as encore. Tu vas faire contre Yodo. Beaucoup trop fort, Yodo. Maître Yoda, comment allons-nous l'atteindre? Notre allié, la force sera. C'était la voix d'Obi-Wan sur celle d'Anakin, hein. Chelou, hein. Bizarre l'ambiance. Bizarre l'ambiance des studios de doublage, là. Voilà, y'a plus de lumière, plus d'électricité, génial. On va jouer ça. Y'a tout cassé. C'est Obi-Wan ça. Coup de sabre laser sur Obi-Wan. Oui non, ça sert à rien en vrai de mâcher comme un fou. Oh non, retourner dedans. Ah!
Bien combattu tu as, mon vieux padawan. C'est juste le début. Anakin. Bienvenue, Seigneur Tyrannus. Je suis content de vous. J'ai de bonnes nouvelles, mon seigneur. La guerre a débuté. Parfait. Tout se déroule comme prévu. On sera allé jusqu'à la fin de l'épisode dans celui-ci, ça nous fait une grosse vidéo de presque une heure, je suis vraiment désolé pour ça. Mais bon écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie bien évidemment. Hop, on va passer tout ça. Hop, et puis voilà, on aura terminé cet épisode 2. On a essayé de pas trop aller à gauche à droite, hein. On a essayé de, même si bon, certaines fois on a un petit peu abusé, mais globalement ça va, là sur les dernières VOD d'épisode 2 on a fait plutôt court. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se retrouvera pour l'épisode 3, meilleur épisode hein, de cette trilogie je trouve pour moi, avec le combat mythique Obi-Wan Anakin bien évidemment à la fin. Je vous fais des bisous et on se retrouve à la prochaine VOD, ciao ciao.